Je vous retrouve aujourd'hui en mode paréo, cheveux lâchés, tout simplement pourquoi ? Parce que je vais faire ma couleur avec vous. J'ai reçu de la marque Schwarzkopf cette couleur. Je l'ai reçue bien évidemment gratuitement pour la tester, grâce à la plateforme Octoly sur laquelle je l'ai commandée. On va faire ça ensemble, de façon à voir si elle est bien ou pas, et je vous dirai après ce que j'en pense. Donc je vous laisse avec les explications, avec la préparation, et je vous retrouve dans ma salle de bain avec la couleur. On est parti! La boîte de la coloration de chez Schwarzkopf Perfect Mousse. J'ai pris la couleur 365 Choco Brownie. Donc c'est une application facile, c'est une coloration mousse permanente sans ammoniac. À l'intérieur de la boîte, nous avons une paire de gants. Ensuite, nous avons le flacon comme ceci, applicateur avec émulsion révélatrice. Nous avons également le flacon qui est le gel colorant. Ici, vous avez la pompe mousse. Et là, nous avons le sachet masque soin. Dans un premier temps, on va mélanger l'émulsion révélatrice et le gel colorant. Alors, il faut vider entièrement le gel colorant dans le flacon applicateur. Ensuite, on va refermer le flacon applicateur avec la pompe mousse. Il va falloir simplement retourner le flacon applicateur la tête vers le bas, deux ou trois fois, pour mélanger les deux pipettes. Surtout, il ne faut pas agiter. On vient faire une raie au milieu. Voilà. Donc, on va tester cette coloration. Il faut pomper déjà, hein. Voilà, jusqu'à ce que le produit sorte et vous avez de la mousse. Et là, vous venez prendre avec votre main et vous venez appliquer. Je fais les racines. Voilà. Donc là, il faut bien venir appliquer. Je vais me servir de mon peigne à queue pour faire des raies. Je préfère faire comme ça. Voilà. Là, on vient remettre de la mousse. Alors là, il faut bien en mettre, hein, parce que sinon, votre couleur ne prendra pas. Hein. Vous pouvez faire carrément la tête d'un seul coup. Hein. Moi, je fais uniquement les racines, je vous dis, pour ne pas surcharger mes pointes. Hein. Les pointes, je les allongerai à la dernière minute. Allez, je vous mets ça en accéléré maintenant. Les racines est terminé. Maintenant, on va s'attaquer aux pointes, comme un shampoing en fait. Hein. Voilà. Et là, je vais terminer tout mon flacon. Je vais laisser poser encore 5 minutes et après, je vais rincer et on se retrouvera de façon à ce qu'on puisse constater ensemble le résultat final. Ma couleur est faite, regardez, elle est magnifique, j'adore, franchement, je suis satisfaite de la couleur, regardez les racines, tout est nickel. Alors j'ai fait le masque hein, qu'ils mettent dans la boîte, ce qui fait que mes cheveux sont très très doux, voilà, regardez, là ils sont naturels, donc ben voilà, cette couleur est absolument géniale. Je trouve qu'elle fait son job à la perfection. Il n'y a rien à dire.
Voilà, absolument rien à dire. Et dorénavant, je ferai celle-là. En plus, c'est la couleur que je veux faire depuis je ne sais pas combien de temps. Vous voyez, c'est pas un châtain foncé, ce n'est pas un noir. Je trouve la couleur sublime. Voilà. Donc, vous aurez tous les liens en barre d'informations. Je remercie vraiment du fond du cœur la marque Schwarzkopf pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour cette campagne. Et vraiment, je suis ravie du résultat. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez la couleur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Avant de vous quitter, j'ai une bonne nouvelle à vous apprendre. Alors, j'ai pris des notes. Figurez-vous que je suis tombée par hasard sur une recherche qui a été effectuée. Donc, ce sont des chercheurs de l'université de Rochester qui ont mené une enquête auprès de 1000 personnes. Les participants ont tous été sondés sur leurs habitudes comportementales. Plus de 400 types de comportements ont été analysés. Le résultat est très étonnant. Alors, de quoi il s'agit? Les personnes qui disent beaucoup de gros mots seraient plus intelligentes que les autres. Non. Alors, ils disent, plus les gens sont intelligents... Oh, écoutez, hein, j'ai le droit. Hein. Plus ils ont tendance à dire des gros mots... Je le savais. Les participants avec le QI le plus élevé se sont révélés être ceux qui jurent le plus. J'ai un QI, plus qu'élevé, hein. Ce résultat vient corroborer une précédente étude publiée en 2015 dans le journal spécialisé Langage Science. D'après celle-ci, le fait de connaître beaucoup de gros mots, j'en connais pas mal, hein, et d'en dire est signe d'une grande richesse du langage et d'un QI élevé. Donc, je dirais, putain que je suis contente, merde alors. Et elle n'est pas con celle-là, hein. Franchement, elle est top, voilà, donc... Je voulais vous parler de ça, parce que j'ai trouvé ça ce matin. Attendez, mais d'un coup, je me sens, mais d'un niveau intellectuel, mon vieux, d'une intelligence, mais incomparable, n'ayons pas peur de le dire. Voilà, bon, écoutez, sur ce, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes. Oh, tais-toi, ta gueule. Ouh, deux bisous, et je vous dis ciao.